Salut à tous. Yes. Salut à tous, mesdames et messieurs. On est vraiment content d'être avec vous dans la nouvelle année. Bonne année. On est content en 2021. Bienvenue. C'est nous qui t'accueillons et pas seulement toi qui nous accueillons, mais on s'accueille mutuellement. Okay? Exactement. On est vraiment content d'être encore parmi vous cette année. C'est vraiment Dieu qui fait la grâce aussi, Noélie. Oui. Qu'on soit encore là en 2021, mm-hmm. encore avec de nouveaux projets. Je sais, j'ai entendu l'équipe technique bouger pendant les vacances et tout. Ils ont mangé la dinde, ils ont préparé des bonnes choses pour vous pour l'année 2021. Bon, Noélie, regarde, moi cette année, mm-hmm. J'ai fêté la nouvelle année, Noélie, je te dirais. Est-ce que ça t'a manqué la salle Europe? Mais oui, à la oui. salle Europe, on reste la nuit, on danse, mm-hmm. on fait 3, 2, 1, puis ça pète là. Il y a des confettis, il y a des ballons et tout. Et cette année, tu as fait quoi? Mais j'ai pété un champi. Tout seul? Du Costco, avec ma maman, puis mes frères. Là. T'étais sécuritaire, là? Ouais, t'es pas de masse à COVID-19, on est une seule même famille, on respecte François Legault. Merci François! Exact. Est-ce que toi t'as écouté le spécial que MC a fait parce qu'on voulait pas non plus rien faire? Est-ce que t'as pu le suivre? Toi t'as trouvé ça comment? Heureusement. Mais oui. Sinon chacun de nous serait resté dans sa chambre. Mais oui. Et puis en tout cas, c'est merci bizarre. Seigneur pour notre église. Ben oui, oui. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Ça nous a permis d'être festif. Peu importe là où on était. Exact, je suis d'accord avec toi. Vous savez déjà, OK, on a les fidèles auditeurs, OK? Vous savez qu'il y a trois règles très importantes. On va les dire, on va les enchaîner. OK, vas-y, plus vite. Le premier, c'est quoi? Non, pas les vite, c'est trop non, vite. Non, le premier, ils savent déjà, ils sont habitués. Le premier, c'est quoi? Mais c'est des nouveaux, le premier, c'est quoi, Kirk? OK, le premier, si t'as moins de 13 ans, faut que tu avais ça, c'est pas. OK, le deuxième? Le deuxième, puis le troisième, c'est ensemble. Le deuxième, c'est quoi? Tu vas trop vite! C'est quoi? Le deuxième, c'est important. Le deuxième, si tu veux commenter des choses, tu peux aller à fond. Juste respecte tout le monde, pas des choses grossières, pas des informations personnelles. Les OK, choses le intimes. Troisième, c'était les informations Exactement. Personnelles. Exactement. Je les ai mis en un. OK. C'est bon, fait que tout le monde le sait. Et si tu veux aussi, tu peux poser à un collègue de ton connect s'il connaît vraiment les trois. Un collègue de ton connect. OK. Un ami de ton connect. C'est oui, oui, un ami de ton connect. Ouh. Voilà. S'il connaît les trois règles d'affaires, c'est Exactement. Donc, sans plus tarder, Noélie, je crois que Stéphane, comme tu as dit, tu as fait un petit preview. Mm-hmm. Il nous a préparé un lancement vraiment extraordinaire pour commencer l'année 2021 en force. Yes. Comment on peut prendre des leçons de l'année 2020 pour aller dans l'année 2021? On laisse ça, c'est Stéphane. Bonjour tout le monde, vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Comment, nouvelle année? Premièrement, je vous souhaite une bonne nouvelle année. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, un bon Noël, un bon réveillon, puis tout, dans cette situation assez particulière. Mais j'espère que vous passez un bon temps avec vos familles, avec les gens que vous pouvez voir. Vraiment, j'espère que vous avez passé un bon temps. Oui, effectivement, j'avais envie de vous partager quelque chose. On commence 2021, on a déjà commencé, et l'année, vous savez, les débuts d'année, ça va vite, mois de janvier, ça part, ça roule, puis rapidement, on est rendu déjà l'été. Donc, avant qu'on embarque là-dedans, puis qu'on se dépêche, puis qu'on parte dans la nouvelle année, je vais prendre le temps de faire un petit retour sur 2020. Oui, je vais encore parler de 2020, je sais qu'il y en a qui sont tannés, je sais qu'on a entendu trop parler, puis que c'est une situation assez incroyable, incroyable, mais pas de la bonne façon, là. Particulière et historique, vraiment historique, là, pour le restant de nos vies, 2020, va être écrit dans les livres d'histoire, ça va, nos enfants, vos enfants vont entendre parler de ça. Puis, je veux prendre le temps d'en parler parce que j'ai vu passer durant les dernières semaines beaucoup de memes, beaucoup de whatever, des photos drôles, des vidéos à propos de l'échange de 2020 à 2021, de 2020 comme dans un sac de poubelle. Puis, en tout cas, je suis persuadé que vous n'avez vu, vous autres aussi, de vidéos assez drôles, puis c'est bien correct, mais il y a quelque chose qui se dit beaucoup sur les réseaux sociaux, même dans les nouvelles quasiment, de dire que, OK, 2021, on oublie ça. Tu sais, 2021, là, c'était très lourd, c'était très désagréable. Et là, on oublie ça, on passe à d'autres choses. 2021, c'est la nouvelle année, puis 2020 est en arrière, on l'oublie.
Eh bien, moi, je suis venu vous dire le contraire. Je suis venu vous dire que non, je souhaite que 2020, que vous l'ayez vécu, comment vous l'avez vécu, mais que vous vous en rappelez. Que 2020 ne passe pas dans l'oubli, qu'on s'en souvienne. 2020, on l'oublie pas. Il y a quelque chose qu'il faut apprendre de ça. Et c'est de ça un peu que je veux prendre le temps de vous parler. Le message que vraiment Dieu m'a mis à cœur. Donc, je vais prendre le temps de prier, puis on commence. Père, merci. merci de me donner un message aujourd'hui. Prends le contrôle de ma bouche et parle à ma place. Que tout le monde qui écoute cette vidéo, peu importe son âge, peu importe le moment qu'il écoute, qu'il puisse juste prendre le temps d'entendre ce que tu veux qu'il entende. Que chaque personne puisse ressortir de ce message en se disant « Hey, Dieu me dit quelque chose. » C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Je t'invite à le dire à haute voix chez toi. OK? Ou peu importe t'es où, tu l'écoutes dans l'autobus, peu importe. Je t'invite à le dire à haute voix. Amen. De l'écrire dans les commentaires. Fais les deux même. Donc, on passe ça. Il y a trois points que je veux vous parler, puis je vais passer de un à l'autre, je vais revenir, puis tout, parce que c'est trois points importants pour moi, pour mon message. Le premier point, je vous l'ai déjà dit, c'est que 2020, on l'oublie pas. 2020, on l'apprend. On en apprend. On grandit de ça. Parce qu'il s'est passé tellement de choses qui sont exceptionnelles, pas de la bonne façon, mais qu'on peut pas juste passer à d'autres choses. Qu'on peut pas juste se dire « Ok, c'était pas le fun, jette ça au poubelle, on recommence. » C'est pas juste un brouillon d'une année. Non, non. Ça s'est passé pour vrai. Faut l'apprendre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été très difficile pour tout le monde? C'est que 2020 nous a mis face à une réalité. Que l'être humain est vulnérable. Aussi simple que ça. Oui, c'est quelque chose qu'on savait. C'est quelque chose qu'on apprend. Qu'on est vulnérable, qu'on n'est pas indestructible. Mais 2020 nous l'a fait saisir. 2020 nous l'a fait voir sur différents temps, les différents aspects. Puis c'est de ça un peu que j'aimerais qu'on parle. Qu'il faut pas prendre ça à la légère. Pas juste dire, ouais, on est vulnérable. Non, tout ce qui a été vécu, faut prendre le temps de le considérer et d'en apprendre et grandir de ça. L'être humain est vulnérable. Et c'est pas le fun. Il y a personne qui aime en parler. Il y a une personne qui aime le vivre, cette vulnérabilité-là. Mais on y est tous confrontés. Le virus a fait voir que tu sois riche, pauvre, grand, petit, peu importe d'où tu viens, ça t'affecte. Puis qu'un petit microbe a un effet dévastateur, que ça détruit des vies, ça détruit des générations, et ça a vraiment bouleversé l'existence de tout le monde. Et c'est pour ça que 2020, faut pas l'oublier, il faut en apprendre. Et je trouve ça important d'en parler là parce que, comme j'ai dit, je vois beaucoup de mèmes ou de choses à propos de 2020, le changement à propos de 2021, que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre. Puis chaque nouvelle année fait ça un peu. On arrive dans le temps des fêtes, puis on se dit, OK, là, tout ce qui était mauvais de l'année passée, on le laisse, puis on s'en va dans la nouvelle année. Ah oui, la nouvelle année, un nouveau mois. Tout le monde a mis beaucoup son espoir dans la nouvelle année qui vient de commencer. Puis c'est vrai, là, beaucoup de monde met leur espoir en 2021. Toutes les tragédies qu'ils ont vécues sont comme non, 2021 va être différent. 2020, tout va mal, tout va pas bien. Puis 2021, là c'est mon année, là ça change, là on va déconfiner, là on va se retrouver en tant qu'humanité. Ne mets pas ton espoir en une date. Parce que l'espoir c'est pas une date, l'espoir c'est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Je vais répéter ça. L'espoir c'est pas une date. L'espoir, c'est une personne. Ça s'appelle Jésus-Christ. Puis, c'est la seule chose en laquelle tu peux vraiment mettre ton espérance. Ton espérance, c'est Jésus-Christ. Puis, comment tu fais pour mettre ton espérance en Jésus-Christ? Bien, c'est en développant, en bâtissant une relation personnelle avec Dieu. C'est ça la façon de le faire. OK, oui Stéphane, j'entends ce que tu me dis, mais concrètement, c'est quoi ça? C'est à chaque jour, prendre le temps de lire la Bible, prendre le temps de prier, prendre le temps d'écouter de la musique à caractère chrétien, de prendre le temps de t'entourer de louanges, d'adoration, de versets, de petits moments de prière. Peu importe que tu prennes 2 heures par jour ou que tu prennes 30 secondes par jour, qu'à chaque jour, tu bâtisses cette relation-là personnelle avec Christ. À chaque jour, tu formes ça, que tu t'investisses là-dedans.
C'est ça, mettre ton espoir en Jésus, ton espérance en lui. C'est bâtir une relation personnelle. Et c'est ça le deuxième point. Premier point, c'est qu'on n'oublie pas 2020. On apprend de ça. Deuxième point, c'est qu'on ne met pas notre espérance en une date. On met notre espérance en Jésus-Christ parce que c'est la seule personne qui peut réellement faire une différence. Ce qui est attirant, comme j'ai dit, de 2021, c'est un concept de changement. C'est un concept de finir un chapitre, en commencer un nouveau. Tu sais, c'est le concept de quelque chose est fini, quelque chose de nouveau commence. Mais c'est pas une date qui fait la différence. C'est la seule chose qui peut réellement transformer ta vie. C'est pas une nouvelle résolution ou une nouvelle habitude. Puis c'est pas mauvais, là. C'est les gens qui, tu sais, ont changement d'année à chaque année, les résolutions, on les entend, là. Mieux manger, être plus en forme physiquement. Mais c'est pas ça qui va transformer ta vie. Ce qui va transformer ta vie, ce qui va faire une réelle différence, c'est de changer ton cœur. La seule chose qui peut réellement changer ton cœur, c'est Dieu. Puis ça, c'est accessible à chacun de nous. C'est en Dieu qu'il faut mettre notre espérance. C'est en lui qu'il faut bâtir notre vie. J'ai parlé de la vulnérabilité que 2020 nous a montré. J'aimerais rentrer dans les détails de c'est quoi cette vulnérabilité-là. Sur plusieurs aspects, elle s'est présentée. Premièrement, sur l'aspect physique. On s'entend, notre santé, on s'est rendu compte qu'elle était fragile. Hein? Pour ceux qui savent pas c'est quoi vulnérable, c'est fragile. Donc, ben, notre santé est vulnérable. Un petit microbe qui est impossible à voir à l'œil nu a fait assez de désastres. Puis tout ce que ça a créé, ben, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce petit bibitte-là qui peut nous affecter notre santé. Et j'en passe, vous n'avez entendu parler, mais notre physique est vulnérable, notre santé est vulnérable. Ensuite, d'autre chose, c'est notre psychologie, notre santé mentale. Hein? Le fait d'être confiné. Notre santé relationnelle, elle a été complètement affectée par ce confinement-là, le fait de se retrouver seul. Tu sais, durant l'année 2020, il y avait un dicton qui disait que j'aimais bien, qui disait comme quoi on était tous dans la même tempête, mais pas tous dans le même bateau. Comme quoi on faisait toutes face à la même situation, mais notre vie, notre positionnement, notre réalité faisait en sorte que c'était pas le même type de vague qui nous affectait, puis c'était pas le même type de défi qu'on affrontait. Puis je parle ici du confinement, que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ça crée de la dépression ou du désespoir ou plusieurs malaises ou situations vraiment pas le fun. Peut-être que toi, ça t'a pas affecté, peut-être que toi, tu dis ouais, non, moi, ça a pas été si pire que ça. Bon, ça a été plate de temps en temps, mais c'est correct. Ben, tant mieux pour toi, mais il y a d'autres personnes que non, ça n'a pas été le cas. Que ce que je dis, eux, ils saisissent, puis ça leur parle. Puis, vous n'êtes pas moins bon ou les autres sont pas meilleurs, ça n'a pas rapport à ça. C'est, on n'est tous pas affectés de la même façon parce qu'on n'est tous pas pareils. On est tous uniques et chaque situation nous affecte différemment. Donc, vulnérable psychologiquement, vulnérable physiquement, et l'autre, c'est vulnérable intellectuellement. Vous dites, OK, qu'est-ce que tu veux dire intellectuellement? Ben, 2020 a mis la lumière sur quelque chose qui existe depuis trop d'années, qui est tellement lourd, difficile à décrire. Puis c'est toute la situation de l'injustice. Puis comme je vous dis, quelque chose qui existe depuis trop longtemps, puis que concrètement, c'est tellement lourd de se dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Mais oui, il y a quelque chose qu'on peut faire, puis j'y arrive. Mais c'est pour ça que je dis, toute l'injustice qui a été mise à la lumière durant l'année 2020, on peut pas l'oublier. On peut pas... Je veux dire, c'est un ben trop manque de respect pour tout ce que toutes les différentes personnes qui ont vécu, que de dire OK, 2020 on oublie. Non, on apprend puis on change des choses. Puis la réalité, c'est que on a tous notre part à faire, mais toi qui es au secondaire, c'est toi qui peux faire le plus grand changement. Enlève-toi tout stress. Parce que c'est simple ce que tu as à faire. Mais il faut que tu le fasses toi personnellement. Toi personnellement, tu le fasses. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? J'y arrive. Mais on est vulnérable intellectuellement, le monde en général, toute l'injustice qui est vécue nous démontre ça. Un autre aspect de notre vulnérabilité, ben, c'est notre vulnérabilité spirituelle. Ben, l'isolement a fait en sorte que beaucoup de monde se sont mis à poser des questions. Tout ce qui a été vécu, ben, ça a fait réaliser du monde, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? Ça nous a mis à les questions existentielles de l'humanité, quoi cher sur cette planète, c'est quoi le sens de la vie? Confronté tout seul chez vous, dans ta chambre, dans ton salon, ben, tu t'es mis à plus réfléchir, puis il y a beaucoup de monde qui se sont posé ces questions-là. On est vulnérable.
Et c'est pour ça que notre espoir, il ne faut pas la mettre sur un changement de date. Non, notre espoir a un nom, il s'appelle Jésus-Christ, puis c'est en lui qu'il faut la mettre. Il faut bâtir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui va amener une stabilité dans nos vies. C'est ça qui va amener à ce qu'on va être capable de traverser les tempêtes. J'ai un verset pour vous. C'est dans Hébreux 6. Hébreux 6, le chapitre s'adresse un petit peu à des gens qui semblent avoir perdu espoir ou qui doutent ou qui ne savent pas trop ce qui se passe, qui ont besoin vraiment d'aller plus loin dans les valeurs et dans la réalité de la vie chrétienne, de saisir certaines choses. Et Hébreux 6 leur adresse un peu ça. Et je ne vais pas le lire au complet, je vous invite à le faire, mais je vais lire un verset en particulier. C'est Hébreux 6, le verset 19, qui dit « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre propre vie. Elle est sûre et solide. » J'aime que ça parle d'une encre. Une encre, qu'est-ce que ça fait? Ça stabilise dans une tempête, un bateau. Ça l'empêche d'aller partout. Ça stabilise. Et cette espérance-là qu'on parle, c'est Jésus. C'est cette relation-là qu'on doit développer avec lui. C'est cette relation-là que tu dois développer avec lui, qu'il veut développer avec toi. C'est ça qui va nous amener une stabilité, qui va nous amener à réellement pouvoir affronter la vulnérabilité de l'humanité, la vulnérabilité physique, psychologique, intellectuelle, spirituelle. Tous ces aspects-là, de cette vulnérabilité-là qui a été mise face à nous, qu'on cherche à oublier. Non, il faut apprendre de ça et concrètement agir. Concrètement agir, pas en changement de date, mais en changement de cœur. Et c'est en donnant notre vie à Christ et en bâtissant une relation avec lui à chaque jour que là, le changement va se faire, que là, l'encre va bien s'établir et va être solide. Une relation avec Christ, c'est pas compliqué. Je parlais tantôt de résolution, puis de faire des changements, puis ok, une résolution de mieux t'entraîner ou de mieux manger. La réalité, c'est que face à ça, c'est face à une erreur, ben, tu recommences à zéro. Tu sais, la réalité de bien manger, là, ben, tu manges bien, mange de la scrap pendant une fin de semaine, puis t'as gâché tout ce que t'as fait pendant un bon bout. Tu comprends un peu ce que je veux dire? J'adore les films, j'adore les séries télé. Et vous l'avez vu sur Netflix, ou vous l'avez regardé souvent, je suis persuadé, durant le confinement. Et il y a quelque chose qui se fait moins dans les films, qui est vraiment plus réaliste dans les séries télé, c'est le concept de « à suivre ». Comme quoi, on va regarder un épisode, puis souvent les épisodes sont faits de façon à ce que bon, tu as le début de l'épisode et la fin de l'épisode, mais des fois, il va y avoir des épisodes de certaines séries télé que ça va terminer, ça va dire « à suivre ». Quand que tu vas aller à l'épisode qui suit, ben ça va être la suite, et ça va reprendre exactement où est-ce que tu étais rendu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement là que tu es rendu, on est rendu là, on continue, on embarque. Et c'est exactement la même chose avec Christ. Que ce soit une série télé, Christ, ta relation avec lui que tu suis à chaque jour, ou que ce soit une série télé que peut-être que ça fait bien des mois que tu as pris le temps de regarder, Dieu veut reprendre à la même place avec toi où est-ce que tu étais rendu. Avec Dieu, viens tel que tu es. Et c'est ça mon troisième point. Mon troisième point, c'est qu'avec Dieu, là, viens comme tu es. Tu peux pas échouer la relation avec Dieu. Tu peux pas échouer ça. Tu peux juste pas te présenter. Tu sais, des fois, dans des examens, tu as le stress qui embarque parce que tu sais pas si t'es prête, puis tu sais pas, puis tu veux pas avoir cette situation-là d'échec, puis souvent, ben, tu vas peut-être pas te présenter ou tu vas juste fuir la situation. Avec Dieu, là, tu peux pas échouer la relation avec lui. Faut juste que tu te présentes. Faut juste que tu lui donnes du temps, puis ça va se faire tout seul. Ça prend un effort personnel, oui. Mais tu peux pas échouer la relation avec Christ. Tu peux pas passer à côté. Fait que dans toute cette année-là qui commence, dans tout ça, c'est pour ça que je voulais juste prendre le temps de dire « Wow, stop! » Avant qu'on s'emballe dans 2021 et qu'on fasse plein d'affaires, là, prends le temps d'analyser ce qui vient de se passer. Prends le temps de juste réaliser ce qui vient de se passer. Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. Et Dieu veut vraiment qu'on prenne le temps de faire ça, d'analyser ce qui s'est passé pour en apprendre. Les trois points que j'ai amenés, je prends le temps de les répéter puis je finis là-dessus. On n'oublie pas 2020, on apprend. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer qu'on a appris? Ça m'amène au deuxième point. Pas mettre notre espoir dans une date, mettre notre espoir dans une personne, qui est Jésus-Christ, et bâtir une relation personnelle avec lui. À chaque jour, te rapprocher de lui. Fais toutes les résolutions que tu veux, mais prends la résolution de Christ dans ta vie.
que la première fois que tu m'écoutes, que tu sois chrétien ou non, prends la décision de prendre une résolution en Christ, puis de l'accepter dans ta vie, puis de vivre avec lui pour vraiment amener une stabilité face à toutes les vulnérabilités qu'on a appris, qu'on a vécues durant 20 ans. Et mon troisième point, c'est « Viens comme tu es ». Dans Matthieu 11, verset 28, ça dit « Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». C'est Jésus qui parle. Il dit « Viens juste à moi comme t'es fatigué et chargé, peu importe comment t'es, viens juste comme ça, toi. Viens juste te présenter. Apprends de ça, mets ton espérance en Jésus, bâtis en lui, puis viens juste comme tu es. Si tout le monde prenait le temps de faire ça, il y aurait des grands changements qui pourraient se faire. Fait que prends le temps de toi le faire, parce que tu peux pas contrôler ce que les autres font, tu peux contrôler ce que toi tu fais. Je vais prendre le temps de prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour aujourd'hui, je te remercie pour ce message, et je te demande que tu nous amènes à apprendre et saisir tout ce qui s'est passé en 2020. Ne pas le laisser dans l'oubli, mais qu'on puisse grandir de ça. Qu'on puisse concrètement mettre notre espoir en toi, en bâtissant une relation personnelle à chaque jour. Et qu'à chaque jour, on se présente comme on est. Avec nous, tu n'as pas de rattrapage à faire. Tu nous prends comme on est. Que ça fasse une semaine, un mois, un an, peu importe. Tu nous prends où est-ce qu'on est en ce moment. Tu nous prends. Tu veux développer une relation avec nous. Alors, on vient à toi comme on est aujourd'hui. Avec nos forces et nos faiblesses. Avec nos manquements, avec nos réussites. On vient devant toi comme on est. Je prie pour chaque personne qui écoute ce message, pour chaque personne qui participe avec moi à cette prière, je te demande que tu touches leur cœur, que tu transformes leur vie. Que tu nous amènes à commencer 2021 en toi. En toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous aime, guys. Je vous laisse pour la suite. Passez du bon temps puis tout. Puis n'oubliez pas ceci. Dieu vous prend comme vous êtes. On apprend 20-20, on bâtit en Jésus et on vient comme on est à lui. Love you guys. Ciao. Donc merci beaucoup Stéphane pour l'enseignement très enrichissant. Je pense qu'on va tous tirer une leçon de comment rentrer dans l'année 2021. On n'a pas vu l'année 2020 venir sur nous, mais là, on est prêt à rentrer dans l'année 2021. Qu'est-ce que tu en penses, Noélie? C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, sans plus tarder, Noélie, on va recommencer aussi en force. Avec moi, en force, Noélie. En force. On recommence en force dans les challenges aussi. Mm-hmm. Donc, on va pas présenter les personnes qui vont faire le challenge. Je vais vous laisser les voir. Mais on a un très beau challenge qui nous attend. Donc, sans plus tarder, passons au challenge. On se attend. What's up, influence? What's up? C'est l'année 2021. J'espère que vous avez passé une joyeuse nouvelle année avec vos familles et vos proches. Donc voilà, que cette année soit une nouvelle année encore meilleure que celle de l'année passée. Donc voici moi, Kevin, a.k.a. Qualifié, et avec ma partner ici, Daisha. Yeah, you know what I'm saying. So, je vous explique un peu le challenge. C'est que comme on doit prendre nos baguettes et mettre les quatre lipsticks l'un à l'autre, les uns sur les autres. Et nous, on fait avec les baguettes jusqu'à le premier qui réussit, eh bien, à gagner. So, you know what I'm saying? So, I'm ready. N'oubliez pas dans les commentaires de nous encourager. Encouragez-nous grandement. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Ça commence pas très bien. Et comment elle fait ça? C'est bien. On m'avait montré, mais je me rappelle pas. Là. Je pense que c'est comme ça. Ouais. Oh my god. Si la chaîne est rendue à 3, je demande au chat. D'accord? C'est moi qui vous dis dans les commentaires. Parce que là. Moi, j'ai jamais manié ça. J'ai envie de rire. Oh non. J'ai jamais manié ça.
Voilà, les amis. Je suis saisie. Écrivez ça dans les commentaires. Saisie, je sais pas comment j'ai fait. Oh, t'as ouais. J'ai la technique, c'est bon. J'ai trouvé la technique. Bon, oh, okay. Non, 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 non. Que je sois saisie. Oh wow, j'ai réussi. Bon, c'est chill, là. Ben non, décourage-toi pas. Tu peux continuer. Yo, j'arrive même pas à la bonne. J'ai pas fait. Ok, regarde, à lui ici. Ouais. Là, fais ça. C'est pas calme. Je fais ça parce que je sais que je vais calmer. Accident. T'as vu? Non! Wait a minute! Je fais ça parce que je sais que je vais calmer. Ok. Ça, c'est l'orgueil qui a parlé. Mais... Ah, bon, t'es sérieux? T'es sérieux? Mes mains tremblent en passant. Après ça, c'est sûr que je peux manger asiatique avec des baguettes. C'est sûr. Faut tenir fort. Nice. Ça rappe avec qualité, ça c'est pareil. C'est quoi, je pense que tu penses aussi? Voilà. Pourquoi tu me copies? Ah, ça, je rappe ça. Ah! C'est ok, là j'ai chaud, ok? Attendez. Ah! C'est Merci. Stop. C'est moi qui me rends le plus sec. Je voulais même pas que ça arrive dans ça. C'est vraiment de vrai. C'est chaud en plus, hein. C'est chaud. Hey! Ok. 3, 2. Ça fait mal! En plus, ça fait exprès, hein? Il n'a pas goûté jusqu'à toi! Oh, 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 mais c'est doux, Mario! C'est vraiment doux, ma peau! Ouais, elle est vraiment douce! Good job! Daishan, c'est difficile de te battre! Ouais! Je sais que tu es bonne dans tout ce que tu fais, tu réussis! Donc, alors,
Kevin n'avait pas de choix. Et Kevin, je sais, il pilait, il fait froid, on a besoin de tout ce qu'on peut pour rester au chaud. C'est un peu dégoûtant. Imagine, il reste sa marque toute sa vie. Imagine le poil repoussé. Hey, c'est pas grave, ça la prendra. C'est des choses de la vie. Mais non, c'est la galanterie. Il reste plus de strass que d'autres. Mais Nelly. Jeanne, je t'aime. Ah, oh, je sais que t'es une battante. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Hein? Moi, je suis pas tellement sûre de ça. Je pense plutôt que Kevin a été bien élevé. Tu disais? On a appris Kevin à être galant. Kevin, la les dames d'abord. Bravo, Kevin. Bats-toi, OK? Bats-toi comme un homme. C'est ça qu'on veut. T'es un homme et ta marque d'homme a été prouvée en laissant Daishan gagner. Kevin, t'as été très bien enseigné. Merci, Kevin. Daishan, félicitations. Bravo, toujours la meilleure. Bon, là maintenant, on a un gars, encore une fois, mais qui va nous montrer comment son toucher. Son sens, ses sens. Ses sens, voilà. Sont aiguisés. Et préparé par Mitch, on laisse place à Jude pour la boîte mystère. Salut guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est Bob, non je vous niaise. Mon nom c'est Jude. Ouais, c'est bon, comme tu le sais. Bon, aujourd'hui, le segment, tu vois, c'est la boîte mystère. J'ai changé un peu de sphère. Bon, on va voir, ils vont me mettre des trucs louches, des trucs chelous dans la boîte que je vais devoir toucher, puis je vais vous dire qu'est-ce que c'est. J'espère que ça va pas être un hérisson. Bon. On va voir. Donc, place à la boîte mystère, guys. Yeah. Bon, guys, vous voyez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Moi, je ne vois pas. Bon. Même mes écouteurs, il n'y a personne qui parle dedans. Peut-être que Jésus va me dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, on va mettre la main doucement. Et bon, ça, c'est le bol. Et attends, c'est du gâteau ou quoi, là? Oh non! 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 Attends, on va aller ici pour voir. On va changer de cas, guys. Oh, attends, c'est long. Attends. Oui, attends, il y a de l'eau dessus. C'est la nourriture de chien ou quoi? Chien ou quoi? Yo, attends. Hey. Guys, bon. Yo. Attends, c'est quoi? Oh, posez, guys. Attends, non, moi j'essaie, hein. Moi je suis pas un cuireux, moi. Guys, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que c'est. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai changé de segment, guys. Aujourd'hui, là. Oh, attends, mais c'est. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, ça, ils l'ont pas en Afrique, hein, ce qui est sûr. Hein. Non mais attends. Non mais c'est avec ça que vous lavez ici? Non mais je suis vraiment sérieux là. Le bain des Africains c'est totalement différent là. Yo! T'es prêt, Jude? Ouais. Une éponge. Oh non! C'est une éponge! Yo, j'ai bug! En tout cas, bon, bon, les gars, je ne l'ai pas eu. Mais bon, j'ai pas eu de conséquences, fait que. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Merci.
Ok, c'est bon. Non, je peux pas voir. Bon. Là, je me situe toujours par rapport à ça. Bon, tout autour, il n'y a rien, fait que c'est pas quelque chose de gros. On va voir ici aussi. Hé, attends une minute. Attendez. Hé, attends. Ça sent sucré, fait que je dirais c'est du Jello. Guys, bon, mon bol qui est mon ami, je me situe toujours. Attends, attends, ça sent quelque chose de chaud. Wow, attends, ça sent. Attends. Ça sent un truc. Quoi, c'est de la bouillie ou quoi? Oh, je sais, parce que je prépare chez moi. Je sais, guys, c'est des pâtes. C'est des pâtes. Yo, guys, quand même, je l'ai même pas touché, mais je l'ai dit, quand même, là, wow. Juste pour ça, ça vaut 1000 points. So, guys, j'espère que, hein, les filles, vous devez être fiers de moi, parce que, quand même, hein, j'ai eu 2 sur 3, puis la dernière, je l'ai bien eu, tu vois. Comme ça prouve que hein, je prépare chez moi. Donc les filles, vous devez hein, me féliciter pour hein, cette initiative. Oh, merci beaucoup guys, c'est moi, ouais c'est bon. Restez toujours connectés, peace. Félicitations Jude. Jude, tu as du style. Donc merci à tous. De nous avoir tous écoutés encore une fois pour notre première Influence TV de l'année 2021 qui était ma foi un succès. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui. Ben oui. Bravo à toute l'équipe. On en profite pour féliciter toute l'équipe encore qui viennent avec toute leur force, leur vigueur et comme je disais avec des nouvelles innovations pour l'année 2021. On croit qu'il y a vraiment des belles choses, Noli. Vraiment. Exact. Au fond. Puis on aimerait aussi remercier tous les gens d'influence, tous les gens de MCI, les invités qui prennent le temps vraiment de nous soutenir. Ouais. On voit vos participations par les commentaires. Sans vous, on ne pourrait pas le faire. C'est vrai. Et voilà toute une année qui nous attend encore ensemble et on aime ça vous avoir avec nous. Exactement. Et on ne veut pas aussi oublier de souligner, mettre en italique et en gras, en haut caractère, remercier tout simplement nos pasteurs, premièrement de réseau, Stéphane Point et Marie-Lou. Mm-hmm. Et on voudrait aussi remercier nos pasteurs seniors qui permettent ça, pasteur Alberto, pasteur Manon Carbone. Yes. On vous remercie vraiment d'avoir permis que toutes ces choses-là soient possibles. Merci. Bonne année à vous. Et vous êtes dans notre cœur. Exactement. Bonne année aussi. Et oubliez pas, regardez. L'année 2021, c'est fait pour être en connect. Exact. En connect. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller même dropper votre nom sur le chat, mais aussi de pouvoir aller sur le site de mcgc.ca, remplir un formulaire si vous n'avez pas de groupe connect. Mm-hmm. Et que tu peux nous dire un peu des petits avant-goûts? On n'aimerait pas te voir commencer l'année tout seul. Mm-hmm. Seul, c'est pas de nous, c'est pas influence. Oh. Influence, c'est un groupe. Ah oui. On aimerait ça que tu puisses participer au groupe qu'on fait. On le fait sur Zoom, c'est vrai, mais crois-moi, c'est le fun. Ah oui, on aime ça, on regarde des films, on fait des jeux, on partage sur la parole. Alors, si tu veux te joindre à nous, oublie pas de t'inscrire ou de nous envoyer un DM sur Influence et ça me fera un plaisir de te joindre à un groupe qui te ressemble. Exactement. Puis surtout, c'est vrai qu'on peut même les rejoindre dans leur secteur en plus. Pas besoin d'aller jusqu'à Repentigny. Exact. Mais avec Zoom, tu sais ce qui est bien? Pas de distance. Pas de distance. Secteur ou pas secteur?
pote. Ouais, mon pote. Ouais, mon pote. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, ok, c'était fort, hein, excuse-moi. Oui, c'est très fort. Excuse-moi, mon pote. Excuse-moi, mon pote. Ok, on ferme. Oui, donc, merci à tous. Merci à tous. On va se voir la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.